Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'était occasion pour le directeur général de la police nationale, Léon Charles, rappeler policiers yo mission ak engagement yo genyen pour garantir la sécurité de la population. Commandant chef PNH la dit li conscient par rapport à la difficulté policiers yo a confronté pendant li souligner effort exécutif là pour permettre policiers yo travail dans plus bonnes conditions. Nous avons choisi policiers, c'est parce que nous devons contribuer pour la population sécurité. On retourne dans la base, on analyse la mission ça que nous te prenons, l'engagement ça que nous te prenons, l'on te fait rentrer dans la police. La police a déjà 27 ans que la bail service. Le budget 2020-2021, tout est pas fait. Budget de la police a augmenté de 6 milliards de gouttes. Budget de la police, là, montant il est attribué à la police là, le plus élevé que toute entité dans le gouvernement. Ça veut dire, son effort, gouvernement dit, la police a son priorité pour lui. Premier bagage qui va le faire, qui commence à faire, qui déjà qui a continué à faire, améliorer les conditions de travail de policiers. Et puis tout leur avantage, prime, que, qui suppose bail, c'est pour nous joindre. Bon nouvelle, m'a dit, nous, on parler avec le premier ministre, nous avons discuté question de prime, avantage, une entité qui est prime ou pas. Le Premier ministre a dit, commandant, question de prime, c'est tout policier qui doit avec. Parce que nous tous, nous avons fonctionné dans une situation difficile. Directeur général PNH là, insisté sur la discipline qui doit établir dans le temps policier. Yo. Léon Charles d'accord qu'il y a un syndicat dans l'institution, mais il dit faut que ça fait dans le respect hiérarchie avec la loi. Nous comprenons la nouvelle dynamique que les policiers réunis en syndicat pour y poser problème à la police. Là. C'est une belle approche que le fait dans la discipline et le respect. M'a répété. Nous comprenons nouveau dynamique que les policiers ont réunis en syndicat pour y poser problème à la police là. Mais pour le fait, dans le cadre, respect de la discipline, respect de la hiérarchie. La police là doit faire appliquer la loi en faveur de tout le monde et puis contre tout le monde qui a violé. Pendant lui-même, il a respecté l'engagement que le prend et puis tout règlement que nous mettez pour que la police fonctionne bien. C'est comme ça. En bas, commandement pas là. Respect strict pour le droit de l'homme, c'est après une grosse priorité dans la police. Donc nous-mêmes qui prêtons seulement pour nous respecter le droit de l'homme, nous ne sommes pas capables de verser nous dans la violation du droit de l'homme. Nous-mêmes tout, dans l'exercice de travail, nous avons subi des affaires. Mais m'a dit nous, en tant que policiers, nous pas supposé que même réaction que monde qui n'a pas de formation policière. Et en tant que commandant nous, nous garantis tout le poids possible, commandant nous à camper dans deux nous. La police n'a pas gagné une très bonne réputation au sein de la population. Pour qui ça? C'est parce que y a une infime partie de policiers qui a fait des ordres. Majorité de la police, là, vous êtes des citoyens respectueux des principes, vous êtes des citoyens qui travaillent dur pour nous occuper de famille, nous, pour nous contribuer à développer la société. Mais, il y a de l'autre. Nous admettons. N'a posé problème là, et puis n'a bataille contre lui. Léon Charles mandé policiers yo mettez en application principe institution hein, pendant qu'il a continué à protéger et servir la population. La hein. Sécurité aujourd'hui dans la société, les grands, nous tous comme ça. Cependant, nous pas capables, et puis nous pas permettre la société nous, hein, subir attaque sans cesse en bas force fenois à bandits. Qui a simé la terre. Qui a metté de l'eau dans j'ai maman avec papa petit. Qui moun dans la société a, qui pas victime en bas insécurité.
Même si vous n'êtes pas victime directement, vous connaissez un monde qui proche ou au soir. On sait connaissance qui est victime. Faut que ça finit. Faut que van ça suspend couler. Faut que parents suspendent et qu'ils sautent leur voie petite sur l'école ou soit dans l'université. Là, il y a fait pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde qui a marché droit. Et puis qui respecte droit à l'autre monde. Place pour tout bandit, sans distinction, c'est derrière Bao. Nous tous doués ensemble, main en main, pour nous couper en sécurité et puis pour nous rétablir la paix avec la tranquillité dans la rue New York. Dans la ville New York, dans la campagne New York, avec dans tout pays. C'est pour bête paysan qui ont été dormi sans danger dans sa banlieue. C'est pour tout le monde qui a fréquenté route New York, sorti dans une ville pour aller dans l'autre, senti en sécurité. Chahé la loup, mais il n'est pas impossible pour nous porter. Avec collaboration, participation de tout le monde, n'a pas capable de lever le défi ça. Sécurité nous tous besoin, c'est résultat engagement total, tout haïtien, sans distinction, qui aspire pour la paix, la justice, et respect pour la dignité monde. La population compte sur nous pour mettre en place conditions pour garantir la sécurité. Dans la perspective, ça, c'est un impératif national pour nous prendre contrôle de tout territoire pour bénéfice tout haïtien. Toute zone dans le pays doit être accessible pour tout citoyen qui veut visiter. Ou soit arrêté là dans les. Il n'est pas question pour certains groupes à faire d'appuyer sur certaines zones dans le détriment de la reste population. Les arrivés pour tout groupe ça y a réalisé que Haïti, c'est pour tout Haïtien. Action malhonnête que le groupe à certains monde a fait contre citoyens paisibles, révolter conscience nous tous. Action malhonnête ça y a, doit suspendre. Kidnapping doit suspendre. Tout le monde doit suspendre. Vol, viol, et tout l'autre acte malhonnête doit suspendre. Ministre principal, direction centrale police routière, c'est accompagner chauffeur, faire respecter l'articulation à travers code routier. Et puis protéger passagers contre accident. D'après responsable direction centrale police routière, commissaire divisionnaire Jean-Maurice Etienne. Toujours des police routières sur toute action. Et nous sommes vraiment satisfaits de ça que tout le monde. Mais nous sommes là pour nous aller en bas de la route. Oui, c'est parce que zone ça a eu toujours des accidents qui ont fait dans la position ça. Et bien nous cherchons à identifier comme responsable. Et puis nous allons camper dans la position ça pour nous faire la même sensibilisation ça que nous avons fait là, dans la position que nous tenons là. Pour le moment, nous sommes en finir avec lui, et bien nous allons continuer, nous allons aller en bas de la continuer de faire nous-mêmes. Accident, toujours un accident, mais des fois, c'est chauffeur qui nous provoque l'accident. C'est chauffeur qui nous provoque. Nous-mêmes, nous là, au niveau du CPR, pour nous sensibiliser ces chauffeurs sur la façon qu'il a conduit la machine. Depuis que nous avons conduit la machine, nous respectons les principes. C'est un monde qui sortit dans la côte, qui sortit de côté, sorti exactement pour le prendre du machine, pour avoir le monde qui a fait un paquet de prendre du machine, il n'y a pas jamais d'accident. Mais avec Jean Mounio qu'on a permis, nous dit longtemps, nous-mêmes au niveau des CPR, nous n'avons pas dit exactement, nous n'avons pas un côté le prendre permis, les qui viennent permis de produire, mais nous là pour nous régulariser ça. Nous avons permis de produire non, moi et non, sortir dans l'école qui est l'autorité. Porte-parole IGPNH, inspecteur divisionnaire Journée Vital, promet qu'il a continué à accompagner auto-école pour permettre aux chauffeurs de gagner plus de capacité pour répondre à tout principe conduite. Jean-Claude Route l'a demandé ça. La route, à partir de l'article 45, il définit l'ensemble de modalités pour que l'auto-école fonctionne.
et nous allons rassurer nous que les gens qui bouillent au volant, il faut qu'ils passent dans notre école. Et lors de sensibilisation, ça n'a pas fait là. Nous allons faire des émissions dans la radio tout pour que nous formions nos professeurs. Nous allons faire des séminaires à l'intérieur même de la DCPR. Nous allons faire des recyclages pour nous recycler les chauffeurs autour d'un ensemble de principes que nous devons respecter pour éviter que des plus victimes des questions d'accident dans le pays. Et surtout, nous allons voir que. Bagaille, ça va le mettre en pratique, justement, pour nous capables de répondre avec objectif, ça qui est réduit que possible le nombre d'incidents sur la voie. Activité, ça a été occasion pour responsable de la direction centrale police routière, discuter sur ensemble projet qu'il a réalisé pour fin année 2020. Réal, tu es dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à ce lundi 16 novembre, côté agent qui était à Clio, fouillé et puis inspecté machine à moto. Dans le cadre d'opération, ça, ministre d'Infis Bernadel, qui est à nouveau directeur général de police nationale, là, Léon Charles, diverses motos saisies et puis plusieurs mon arrêté. Dans la déclaration, il fait dans l'occasion, commandant en chef tout neuf police, là, Léon Charles, dit qu'il reconnaît le travail là pas facile. Il dit qu'il met expérience dans le service institution policière. Il y a une façon pour voir comment il est capable de combattre les banditis dans le pays. On suit un extrait. Job nous, c'est assurer la sécurité de la population. Donc, quand vous message, c'est la police là, dans la rue, avec les policiers. Pour nous commencer, bon message vous dit, nous prenons dans la rue pour permettre de nous vaquer à l'activité. Donc, c'est ça, c'est le message. La police a raconté sur la police, la population a raconté sur la police. Là. La police a 27 ans, ils sont force qui ont expérience. Et nous avons profité de connaissances pour nous mettre le leadership qui est approprié pour nous travailler avec une condition artificielle pour nous-mêmes, population qui a commencé à faire un souffle. L'objectif là, c'est ici, décembre, pour nous faire dans la haut. C'est un bon travail qui a fait. Et le ministre intérieur, ben, le temps, la police a suivi et renforcé. Nous répondons à l'invitation du président. Nous avons mesure et nous avons un problème là et nous avons fait tout ça pour nous dans nos services. La police a c'est pas un service pour que nous-mêmes nous travaillions à l'occupation. Donc c'est ça qu'on a fait, malgré les difficultés, on a fait, c'est ça que nous faisons, c'est ça que nous faisons, c'est travail, nous travaillons pour que nous travaillons pour la population sécurité. Adim a profité adresser à compatriotes qui n'ont opposition politique là pour respecter valeur. Accent bataille en cette yo te mené pour te bande ti bout te ça pour te cap vivre libre dans dignité et fierté. Donc Adim dit non, li pas normal pour une équipe moun faire date historique yo tourner date la Pérez, date ennui ak remort pour peuple là. Non, li pas jamais normal pour mercenarial politique changer date historique yo en date la honte, en date division pour boutiquier politique yo faire ravitaillement. Comme ça, yon rappel historique a montré qui jan peuple la te honoré en cette yo nan pareille époque. 1er janvier, fête de l'indépendance. Peuple la boit soupe joumou dans tout quatre coins pays ya et partager avec toutes amis, tout voisinage qui bon côté yo, parce que il était interdit pour yo au temps de la colonie. 2 janvier, jour des aïeux, peuple a te kon profiter faire gros rencontre familiale ak retrouvailles en mitaille. Tout ça yo pour honorer mémoire ancêtre yo. 18 mai, fête du drapeau. Gros cérémonie ak manifestation culturelle dans tout pays a. Côté l'école, l'église, force société civile là, force publique yo, te kon organisé pour soutenir sens appartenance, patriotisme et fierté nationale. Adim a fait yo songer 17 octobre et 18 novembre, ce jour, côté l'école, te kon profiter, mener élèves yo, fait découverte lieu historique yo en pile l'église tout pour profiter fait touriste local groupe jeune yo pour découvrir
beauté paysage haïtien. Politologue Rudistin Lepen, professeur Hansi Pierre et Azad Belfort, c'est trois conférenciers qui t'ont intervenu dans la conférence débat sur l'élection américaine, changement sa capoté dans la relation de pays. Politologue Rudistin Lepen expliquait autorité haïtienne doit définir priorité. Haïti sont alliés traditionnels des États-Unis. Avec un acteur comme Joe Biden qui arrive là, l'issue d'une part et un retour à l'ordre normal, que je pense pas bien trop gros changement, sinon que l'administration claire, étant donné que il y a de nouveaux mouns qui peuvent rentrer dans la Maison Blanche, là, c'est normal pour eux retisser les liens, parce que c'est de nouveaux mouns. Mais premier interlocuteur Maison Blanche a gagné, c'est l'ambassadeur d'Haïti à Washington. Donc c'est si par contre, bon ambassadeur, il va déterminer qui j'en a pour à pied. Professeur Hansi Pierre et Azad Belfort et invité gouvernement haïtien négocier une autre forme de coopération avec l'autorité américaine. Dans la conférence, nous passons en revue différentes administrations depuis les années 50 jusqu'à Kounian là, dans l'année 2021. Et nous, il n'y a pas automatique parce que c'est démocrate. Il n'y a pas papier, ni le pas automatique, parce que c'est républicain, il rejette papier. Et nous, il y a des républicains qui baillent papier, comme ça, il y a des républicains qui ne baillent tout. Nous, par exemple, il y a des démocrates, Clinton, en pile monde qu'on est en Haïti, ils sont gros champions de démocratie. Pourtant, c'est un monde qui a un pivier loi sur démocratie, sur migration, loi de Californie dans l'année 96, parce qu'elle était pensée vers républicain. Oui, élection aux États-Unis, hein. Bon, on ne va pas entrer dans la question de changement de gouvernance. Et pas que le Balkan soit Haïti. Alors, on va dire qu'il ne faut pas oublier. Et, pour penser qu'avec le changement de gouvernement qui pourrait le faire là, pour penser qu'après le combat extraordinaire qui pourrait arriver en Haïti en termes de changement. De... Mais, bon, pour nous, ouais. Si un changement qui pourrait faire en Haïti, changement d'abord, c'est haïtien pour faire. Parce que le problème. En Haïti, les politiques tout, mais les principalement économiques. Vous doit résoudre le problème politique, vous ne pas résoudre le problème économique. Là. Nous faisons commencer dans le problème. Parce qu'on prend PNB d'Haïti qui est actuellement dans zone 8 milliards de dollars, bon, nous mettre 9 milliards, bien que nous connaissons les 9 milliards. Par République dominicaine, lui-même, dans zone 88 milliards, 80 milliards de dollars. Donc son problème énorme, le problème économique d'Haïti. Plusieurs étudiants participaient dans la conférence de Bassa, Université Technologie d'Haïti organisée le 16 novembre. C'est ma section Soussaï, commune Keskov, directeur général Agence nationale Air Protégée, Jean-Claude Joseph, lancé programme de déploiement de brigade sécurité Air Protégée, cap gagné pour mission, empêcher exploitation, mine sabio avec dégradation environnement zone. Là. Mission par nous, c'est protéger zone qui déclarée Air Protégée. C'est-à-dire une zone qui vont arrêter sous lui pour nous protéger. Dans le cas contraire, il faut que nous gagnions, faut que la mairie, faut que le ministère de l'Environnement et faut que l'autre entité dans l'État qui sollicite la présence de ça pour là. Je dis, la zone ça est sous liste pour le vin air protégé, mais déclaration pour qu'on fait de manière officielle. Et c'est ça que fait, ou capable, tout le temps, et la mairie pas de solliciter nous. Autorité communale n'a pas de solliciter nous, nous n'avons pas d'ordre en démission formelle du ministère de l'Environnement, nous n'avons pas capable de déployer agent. Et je dis, nous gagnons et nous prenons toute disposition, comme nous disons, pour que l'ordre rétablit dans la zone. Une même commission communale à Keskofla, Jean-Maxin Duvivier salue l'initiative ça. Pendant qu'il fait connaître que les gens ont commencé à exploiter les sables dans mauvaises conditions. Ce n'est pas d'hier matin qu'il a fouillé le sable. Mais c'est parce que c'est tout dernier thème que. Il y a des accidents qui arrivent sur ce site-là, obligé définitivement, pour mesure, fermer net aller. Directeur général Agence nationale Air Protégée, Jean-Tel Joseph, précisé, programme ça a pas poursuivre dans diverses zones pour protéger l'environnement pays. Avocat, rapidité, M. Altieri, tu es d'accord, mandez-nous 3 jours pour répondre pour commencer le pays. Avocat, nous, on va le faire contact. Vous voyez, sommet Altieri pour le pays. Au cap, nous allons travailler pour nous renforcer un comité. Nous avons un comité national qui va travailler avec toute coordination pour nous faire des résultats. Pendant que Prince Parias, Gazino, Bolet, Diaguer, pas quitter mourir sous nous. Mourir jeudi, mourir demain, même mourir.
photo fait ici, n'a pas coupé. Parce que je suis d'accord que n'a pas faux autorisation, n'a pas sale image de tri. Nous commençons à faire lavage. Le premier monde qui veut faire faux autorisation au cap, qui parle à l'autre encore, on a continué avec tout le monde. Il veut écraser fort l'image et l'État et l'autre. Et moi personnellement, je me fais un pile effort, sacrifice pour nous. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.